Voilà, goedemiddag, bonjour. Vos questions pour le match de dimanche, uw vragen voor de wedstrijd, over de wedstrijd van zondag. Xavier. Francky, bonjour. Quelles sont les nouvelles précisément de Vincent Kompany et Chadli? Est-ce qu'ils sont prêts ou pas pour dimanche? Aujourd'hui, on ne sait pas. Ils ont fait une partie de l'entraînement où la plupart de l'entraînement, mais dans un rôle contrôlé. Donc on doit voir jour par jour ce qu'il en est et quel prend la décision, quel risque on prend ou pas de risque pour pas qu'il retombe naturellement au plus vite et qu'on les perde après pour le reste des matchs. Donc jusqu'à maintenant, c'est encore question. Tu tiendras compte, j'imagine, du match de jeudi contre Bruges en coupe, ça entrera en ligne de compte pour prendre votre décision ou pas? Oui et non, dans le sens où on peut dire que ça fait une différence. Pour moi, ça ne fait pas une différence. On doit juste voir dans quelle mesure ils sont prêts à jouer, dans quelle mesure le risque est contrôlé, parce que ça reste un risque. Mais chaque joueur qui joue, même ceux qui sont fit maintenant, prennent un risque. Si ce risque vaut la peine, sinon, allez, on ne va pas faire les choses pour se mettre après dans de plus grands problèmes. Francky, on avait beaucoup parlé le week-end dernier du 6e 0-0 de la saison. Qu'est-ce qu'il y a eu comme travail spécifique cette semaine par rapport à cette problématique? C'est une bonne question dans le sens où vous croyez qu'on fait différemment. Mais les semaines avant, on a aussi travaillé la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de spécifique? La même chose qu'auparavant. C'est quoi, un problème de confiance à restaurer ou autre chose alors? Pourquoi est-ce qu'on marque, je ne sais pas moi, quand même deux buts à stand, même si on perd? Pourquoi est-ce qu'on marque, je ne sais pas, 4 contre Saint-Tron? Pourquoi est-ce qu'on marque autant dans d'autres matchs et dans certains pas? Oui. Oui, mais aussi sur les phases arrêtées, dont on sait que c'est important. Oui, j'ai dit, les phases arrêtées, on a déjà évolué, parce que on a déjà réussi parfois à libérer des garçons, à trouver une solution, sauf qu'on n'a pas concrétisé. Mais on a déjà... On a déjà fait un pas en avant, sauf que ce pas, naturellement, ce n'est pas suffisant parce qu'on n'a pas marqué. Mais on y travaille, on cherche des solutions et on sait qu'on doit encore faire un pas supplémentaire parce qu'on n'est pas assez efficace à ce niveau-là. Jurgen. Frank is door de brief de druk wordt weggenomen. Ja, ga direct wegkegelen, hè, want je zit hier niet voor de brief, je zit hier voor... Nee, ik vraag of de druk weggenomen is. Nee. Ik heb altijd gezegd, op Anderlecht moet er druk zijn. En de spelers moeten die kunnen omzetten in positieve energie. En het is niet dat die van bepaalde invloed gaat zijn en plotseling zeggen, er is een andere situatie. De situatie blijft dezelfde. Un truc moutre. Bonjour Francky. Historiquement, le déplacement à Sclessin est toujours compliqué pour Anderlecht, notamment ces dernières années. Comment on peut expliquer que le Sporting a autant de mal historique, hein. Per Zertebeek m'a dit cette semaine qu'il n'avait jamais perdu, là, presque, sauf une fois. Mais il ne joue plus. Et, ah ouais, mais tu parles de l'historique. Hein. Ça fait partie du passé aussi. Hein. Certes. Donc. Je ne sais pas quel historique tu as regardé, mais c'est probablement celui-là des dernières années. Oui, qu'est-ce que ça fait, hein? Je dis toujours, au plus qu'on perd, au plus proche qu'on est de la victoire, et au plus qu'on gagne, au plus proche qu'on est de la défaite. Donc, c'est relativement simple. Pourquoi? On connaît les capacités du Standard, on connaît le public, on connaît l'apport du public, le 12e homme et tout ce qu'on veut. Mais je dis, ça, c'est... Ce n'est pas une raison ou autre, donc... C'est en effet peut-être sur papier plus difficile et c'est en effet spécial, hein, parce que quand on voit l'atmosphère et autres, c'est quand même différent que dans certains autres matchs. Mais pour moi, ça fait partie du foot où dans un stade, c'est un peu plus chaleureux, dans un autre stade, c'est un peu plus un peu plus chaud, si on peut appeler ça comme ça. Mais ça fait, moi, je préfère jouer dans ces circonstances-là que dans d'autres. Et est-ce que c'est un aspect que vous avez abordé déjà ou que vous allez aborder d'ici dimanche avec les jeunes, dont certains vont aussi découvrir Sclessin?
Non, c'est prévu dans la dernière théorie. Je ne crois pas qu'il faut pas leur rendre peur ou autre. Il faut rester serein. C'est clair qu'ils doivent gérer certaines choses peut-être différemment et qu'ils doivent être prêts à ça. Mais on va. C'est aussi prévu, on parlait, mais pas trop longtemps. Dans quelle mesure est-ce que les absences certaines de Carcella et probables d'Npoku ont un impact sur ta façon d'aborder la rencontre tactiquement? On joue contre le standard, on ne joue pas contre Npoku ou Carcella ou autre. Et je crois que le standard a encore assez de ressources. Et naturellement, je dis que c'est toujours dommage pour une équipe, un entraîneur, de ne pas savoir faire appel à toute sa sélection. Hein, si je me mets à la place de l'autre entraîneur, c'est pas gai. Et si on peut battre le standard avec Npoku et Carcella, pour moi, ce n'est pas différent. C'est un match entre deux clubs, entre deux équipes. Et malheureusement, ouais, il y a des absents, des blessés et autres des deux côtés. Ça peut avoir un apport différent, c'est clair, parce qu'il y a d'autres joueurs, peut-être d'autres profils, mais ils ont quand même encore pas mal de ressources pour les remplacer. Et donc, pour moi, je ne tiens pas compte de ce genre de choses-là. Bonjour. Le Standard vient de faire un gros match en Coupe d'Europe. Comment est-ce que vous appréhendez le prochain rendez-vous qu'ils vont voir jouer contre vous? Le standard sera le standard comme on les connaît, et avec l'élan qu'ils ont, avec les prestations qu'ils ont faites, avec probablement la déception parce qu'ils étaient au fond proches. Hein. Cette déception, elle peut aussi être entourée de confiance et de choses positives vu qu'ils ont quand même eu un parcours relativement bon et proche au fond de la qualification. Donc, je m'attends au standard normal. C'est pas que ce match aura beaucoup d'influence négative sur eux, au contraire. Ils ont pris un coup sur la tête. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais pour vous? Non, c'est pas toujours bon, hein, parce que souvent, quand on reçoit un coup sur la tête, on réagit. Hein, si on sait encore réagir. Mais je crois qu'ils sont capables de réagir. Donc, merci. Frank, als Anderlechtman in hart en nier, die 12 punten verschil met de grote rival van Standaard, doet dat pijn? Ja, doet dat pijn. We zouden ons liever anders zien. We hebben al lachend ook gezegd, de opeenvolging van de matchen is groot voor sommige ploegen, maar we zouden graag die opeenvolging hebben. Hè. Want tenslotte wil je ook Europees spelen en veel wedstrijden. Doet dat pijn? Ik zeg, de eindrangschikking zal belangrijk zijn. En dan zullen we zien hoe ver we daar staan. Voorlopig is de realiteit dat we 12 punten achter staan. We zullen zien in de toekomst waar het echt toe leidt en waar we dan, of hoeveel we dan nog moeten werken om korter bij te komen. Maar ik zeg het, nu is de rangschikking voor mij geen. Alleen niet direct een waardemeter waar ik naar kijk en zeg: oei, ik voel maar daar. Ik heb daar een probleem mee. Toch nog vragen over het veld van Opsklesa. Blijkbaar ligt dat er nog slechter bij dan hier voordat de werken plaatsvonden. Baart u dat zorgen, Frankie? Nee, ik heb gisteren de wedstrijd live gevolgd en we hebben ook direct de opmerking gemaakt dat dat veld mag geen excuus zijn en ook eigenlijk geen reden. De velden in Neerpede liggen ook niet allemaal goed. Dus we hebben vandaag niet op het beste getraind. Dus de omstandigheden waren een beetje similair. We hebben wel het beste laten opzij liggen en gespaard. Coach, ik merk dat je er niet echt over wil praten, maar ik denk dat toch onze taak is om die vragen te stellen. Dat is een spijtige. Maar begrijpt u dat de buitenwereld verrast reageert als Anderlecht blijkbaar pas in 2022? Ik ga daar voorlopig geen commentaar op geven. Ik denk dat duidelijk is als die brief door mij ondertekend is, dat ik daar ook 100% achter sta. En ik ga me alleen nog bezighouden met commentaar over de matchen of zoiets. Er zijn heel veel dingen die je kunt bespreken, maar ik denk dat er niet te veel moeten besproken worden, maar dat er vooral veel gedaan moet worden. En wij weten wat we moeten doen. En ligt het zo gevoelig dat u liever geen commentaar heeft? Of onderzoek zou u ook gewoon kunnen uw mening geven? Ik geef nooit mijn mening, dat weet je al een paar jaren. Hè. En als ik mijn mening geef, dan wordt die niet altijd goed ontvangen.
Ik bedoel niet deze zaak. Hè. Dus, maar dat is al jaren dat ik geen mening meer heb. Allee, ik heb er wel een, maar die blijft bij mij. Je staat er voor 100% achter. Ja, ik zie niet waarom dat ik dat anders zou, zou tekenen of zeggen of met een ander laten bijstaan. Dat is een deel van het teamwork en dat is een deel van de zaken waar ik achter sta en die ik kende toen ik naar hier gekomen ben. Dus, maar dat verandert voor mij niks aan bepaalde dingen. En ik zeg daarop commentaar geven, nee, maar doe er iets aan. Nog vragen? Geen vragen meer. Ja, nog eentje. Over Vincent, het feit dat hij terug op het trainingsveld was, was een beetje een verrassing voor ons. Dat betekent dus dat de blessure toch niet zo erg was dan, Frenkie, neem ik aan. Niet zo erg, ja. Maar het is wel dat het proces misschien iets sneller gegaan is dan we verwachten naar zijn herstel toe. Dus ik had ook meer gedacht dat hij deze week nog niet zo kort bij zou staan. Dat het meer naar volgende week zou zijn, of het dan donderdag of zondag was. Maar... ja, we hebben hem al een klein beetje moeten afremmen vandaag. Dus, Vous pensez toujours au play-off 1 et est-ce que c'est une victoire dimanche, ce sera un grand pas vers ces play-off 1? Bah, c'est clair qu'on doit toujours avoir des ambitions et aussi longtemps qu'elles sont mathématiquement possibles, il faut y croire. Sauf qu'on doit regarder match par match et... même si on est premier ou deuxième ou cinquième, si on gagne au standard, c'est toujours une victoire importante et c'est toujours un pas important. Donc, j'ai dit, ça doit être une logique aborder un match contre n'importe qui. C'est toujours la même chose, c'est toujours avec le même but et c'est toujours avec la même obligation. Ok. Merci beaucoup. À dimanche. Tot zondag. Thank you.